Bonjour tout le monde, bienvenue avec moi et ma T92 sur la nouvelle carte de Marika. Alors c'est une bataille de rang 10 que je suis assez content de vous présenter, parce que c'était ma deuxième partie en artie sur cette carte, donc cette carte qui a été refaite avec des nouveaux axes de passage. Je trouve pour les médiums dans le secteur B9, en combat de lourd en général dans le secteur J3, avec pourquoi pas quelques supports de chars médiums, des TD qui campent un petit peu dans le secteur D4 et puis H5. Donc c'est une carte où vraiment, voyez qu'au départ je suis un petit peu hésitant, je réfléchis à un placement potentiel et je me dis mais tiens donc, il y a une petite cachette secrète là-bas, je vais m'y glisser. Je vais m'y glisser. Et mes obus devraient passer au-dessus de cette petite cachette. Je parle bien sûr de la butte qui se retrouve juste derrière la plage. Voilà. Donc bataille rang 10. Alors il y a un platoon de polonais, T57 Heavy, Batchat 25, un Batchat 25 qui joue seul, et un Trion Infernal de E75. Alors ça, il faut s'en méfier. C'est des saloperies ces E75, hein. C'est des chars de rang 9, ils sont loin d'être top tiers, mais en platoon, avec leur solidité, leur puissance de feu, ils peuvent représenter en grand danger s'ils sont bien coordonnés. Alors, l'un Batchat se glisse dans le secteur G4, il va nous spotter tout le marais, mais pour l'instant, eh ben, je suis surpris qu'il n'y ait pas de loup. Donc vous voyez que je repositionne mon canon un petit peu plus loin devant le WZ-111. J'essaye de me mettre en couverture du WZ-111, mais il avance, pointe le bout de son canon, le WZ, mais ne spot rien. Et là, donc je vais tourner mon canon. Là ça m'embête, parce que une T92 c'est 8 secondes de focus. Je remarque qu'il y a un E75 de l'autre côté, et là je me dis ouf, ça y est, il y a quand même des chars qui sont spotés. Donc j'ai pas d'axe de tir sur le IS-7, c'est dommage. Le Tigre 2 était déchenillé. Bon bah je me rabats dessus, hein. 725 points de vie, 726 points de dommages, c'est toujours bon à prendre. Alors je comprends que cette bataille risque d'être un petit peu atypique. FV215B, pas d'axe de tir sur lui. E75. Bon, il est déjà bien entamé, il est planqué. Et là, par contre, on a des chars lourds qui normalement poussent dans le secteur J3, qui sont planqués par une barre rocheuse. Donc ça m'embête un petit peu. Mais heureusement pour moi, j'ai une petite croquette là qui apparaît. Un T62, un char médium. Mais il semble pas très mobile. En plus, ses chenilles sont cassées, j'ai un obus. Je lance une attaque. Ah bah en plein dans le mille. On va appeler ça un low roll, hein. 1059 points de dégâts. C'est presque énervant de faire aussi peu de dégâts sur un T62A avec cette artie, hein. Si je touchais l'arrière du T62, je le one-shotais. Donc bon, c'est toujours ça de prix, hein. 1062, je pense que mes collègues s'en plaindront pas. Alors de l'autre côté, on semble maîtriser la situation. Mes collègues qui sont dans le secteur C6 semblent stopper efficacement les chars adverses. De l'autre côté, les chars sont trop planqués, je peux pas les attaquer. Donc j'attends un éventuel spot du T54 qui s'avance, mais ne spot rien. C'est bien dommage. Le T54 allié qui s'est placé dans le secteur A7, suivi du STB1, a fait une diagonale, donc je pensais qu'il allait nous spotter quelque chose au passage, et bah malheureusement, il nous spotte du monde seulement maintenant. Donc par contre, là vous voyez, j'ai deux chars bien approchés, et bam! Et ouais, ça fait mal une T92, 946 points de vie sur l'IS-7, au TA7 IS-7, et 255 avec le splash sur le T32. On peut parler d'une bonne opération, hein. Un splash de 11 mètres, j'utilise mes obus HE à large rayon d'explosion. Donc c'est les obus les plus intéressants sur ce char. Donc je remarque que l'équipe adverse ça y est pousse, un T57 AV arrive,
L'IS-7 va bientôt éliminer notre E-100, je n'ai pas de but. Mon obus arrive 3 secondes trop tard. Et là, je vais tenter d'éliminer le plus gros blindage. Hein. Le T-32, c'est pas vraiment un problème. L'IS-7, c'en était un. Problème réglé. Il n'y a plus d'IS-7. Par contre, les chars ennemis poussent. Un AMX AC-48 commence à passer dans le marais. Secteur G4. Donc, je me repositionne derrière ma butte. Avec ma cloche de tir, je peux tirer au-dessus de cette butte sans être spoté. Je me dis que ça peut être sympa. Donc, par contre, l'équipe adverse revient au score. Ils sont menés en termes de points de vie. Mais ils ont quand même des chars assez costauds qui commencent à pousser. Et éliminent le dernier char qui me protégeait. Donc le T-57 Heavy est arrivé au bout du bas de chat. Mais là, je l'attaque. J'arrive à cibler à un quasiment kilomètre des chars lancés à 60 à l'heure en anticipant un petit peu. Bon, un T-57 Heavy qui roulait à 15 à l'heure et qui me présentait ses fesses, bien sûr je l'élimine. Hein. Donc il aurait vraiment que je fallu que je sois trompé par la précision de mon arti pour rater le tir, mais là bon c'était du pain béni. Donc bonne opération. Quand même un T-57 Heavy éliminé. Barillé, il me semble c'est 4 buts, 400 points de dégâts, donc ça peut faire très mal ces saloperies. Alors en 50 IS-8 se place en défense. Alors moi je sais que les chars adverses, j'allais dire, peuvent apparaître dans le secteur G2. Bon là ils apparaissent en F1, ce qui est pas mal. Donc je suis déjà passé par là avec un char lourd. C'est vrai qu'il y a du couvert, il y a des petites buttes, donc c'est bien pour se cacher avec des chars à bonne dépression. Je connais pas la dépression de canon des E-75, mais bon, toujours est-il que maintenant je sais où ils sont. Ils sont en platoon, donc ils doivent tous réunis. Et là vous le voyez peut-être sur la minimap, je suis en train de manœuvrer. Je suis en train de bouger le cul de mon arti sans me noyer. Vous voyez, ça y est, je suis dans l'eau. Pour essayer de trouver un petit axe de tir. Alors là, le but du jeu, c'est comment dire, de faire passer juste le sommet de canon de la petite butte pour pouvoir tirer sur le 75. Là, malheureusement, tir raté. Un de mes obus de 240 mm a tué une taupe ou deux. Avait peut-être abattu en arbre, mais toujours est-il qu'il était inutile. Il n'a pas fait de mal, beaucoup de mal au E-75. Donc je lance bien sûr mon reload, je n'ai pas le choix, j'attends un obus. Mes petits compères vont bientôt prendre les chars adverses en tenaille. En T-54 semble vouloir s'enfuir. Mais moi je vais m'orienter sur les E-75 toujours. Donc je signale à mon équipe que je vais attaquer le E-75 qui traîne maintenant. On les a eus. Ah, je cherchais même pas à le toucher, 325 points de vie, 9 mètres et des patates de splash avec les petits obus, on va voir ça tout de suite, 8 mètres 13 de splash avec mes petits obus, ouais, je savais que j'allais le détruire. Donc, bonne opération, canon en moins, du bladinge en moins, donc ça permet à mes coéquipiers de rusher tranquillement le 75 restant. Et nous reste donc un petit C-54, encore une petite croquette, qui se planque derrière une carcasse. Alors ça, ça me fait plaisir. Pourquoi? Eh ben Sirius est un petit peu salaud des fois. Il sait qu'en T-54 a une tourelle super costaud. Il sait que avec le bas de casse planqué, normalement ses petits compères vont pas pouvoir l'éliminer. Il reste 2 secondes de reload. Le focus est fait. Eh ben on va regarder ce que ça donne. BAM! Eh ben c'est la fin de la partie, donc ça nous amène à un petit peu plus de 5000 points de dommages avec les blinds, donc ça me fait plaisir vraiment, parce que je découvrais un petit peu cette map en arti. Hop, et désolé, le petit bruit était chez moi, et puis bon, on arrive avec une bonne opération, une petite master, pour ma première bataille en arti de ce côté. J'ai déjà réalisé une bataille de l'autre côté de la map.
Et là, ben, jolie petite master avec une équipe que j'ai trouvée assez réactive dans l'ensemble. Non, non, ils étaient assez coordonnés. Donc, allez, ben, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao, ciao.